George Russell a évoqué Hamilton. C'est une bonne chose qu'Hamilton quitte l'équipe maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là, George? Attention à ce que tu vas déclarer, George, hein, quand même. Tant de gens ici ont partagé le succès de Lewis avec Lewis, mais le changement allume souvent une nouvelle étincelle pour tout le monde. C'est ce qui se passe pour Lewis, c'est ce qui se passera pour nous l'année prochaine. C'est une bonne chose que l'équipe, enfin que Lewis quitte l'équipe maintenant, plutôt qu'en 2021. Ça aurait été difficile pour toute l'équipe. Vous devez adopter et évoluer, et nous sommes dans ce processus de construction à partir de la base. Fin de l'interview. Ok, d'accord, bon. Alors, ça doit l'arranger d'un côté, parce qu'il sera débarrassé d'un septuple champion du monde qui lui posait problème, même si, bon, c'est vrai qu'en ce début de saison, il finit régulièrement devant, même si Hamilton n'est pas très loin derrière en termes de points. On verra, on fera les comptes à la fin. Maintenant, si c'est pour qu'il se paye un rookie genre Antonelli qui soit devant lui régulièrement, en plus, moi, je pense qu'Antonelli peut faire de l'ombre à Russell. Alors, peut-être pas dès la première saison, mais pourquoi pas dès 2026. Le temps qu'il prenne ses marques en F1 et tout, Antonelli, je pense que Russell va avoir fort à faire avec lui aussi. Bon, on verra bien, mais de toute façon, il fallait du changement pour Hamilton. C'était plus possible de continuer comme ça dans cette galère de Mercedes là qui ne tourne à rien. Allez, ciao.